La tolérance zéro au sein de l'armée loyaliste est vivement soutenue par des organisations de la société civile de l'Ituri qui appellent d'autres structures citoyennes locales à prêcher l'amour, l'unité et le pardon afin d'accompagner l'état de siège et d'encourager les militaires au front dans l'objectif de ramener la paix durable dans cette partie du territoire national. Le ministère Camp des Dieux, assemblée d'adorateurs et disciples, rappelle à toutes les églises leur mission, celle de soutenir les animateurs de l'état de siège instauré en Ituri et au Nord Kivu pour éradiquer les groupes armés et de ces faits protéger la population et ses biens. En se basant sur le Saintes Écritures, l'ancien principal et représentant légal du MCD-AAD, l'évêque Stallone Banguigno, signifie aux Ituriens en particulier et aux Congolais en général qu'ils ont une grande responsabilité pour qu'on parle de la sécurité dans la région. Nous devons obligatoirement changer la considération, le regard sur la nation, concitoyens. Chacun doit demander pardon à Dieu et se réconcilier avec son prochain tout en travaillant. Un paresseux ne verra jamais le Seigneur, a-t-il indiqué. La première responsabilité civile de chaque citoyen consiste, à notre sens, à l'obligation de changer sa considération et son regard sur sa nation, sur son concitoyen et sur soi-même. C'est l'engagement personnel à participer à la tâche de la guérison de la nation. Pour le milice qui porte le nom des églises, il les exhorte à revenir au bon chemin car l'église a une mission de propager la bonne nouvelle en prêchant la sanctification universelle. Kanisa, yanakuwa sawa vile yalala. L'église est comme une poubelle. Une poubelle reçoit tout. Mais nous, comme église, nous ne lancerons pas et nous n'avons pas d'armes. Des armes qui se voient pour tirer sur les gens comme les autres. Les églises n'obligent personne. L'église respecte les droits de tout un chacun. Comme dit la Bible, je mets devant toi les biens et les mal. Mais Dieu exhorte de choisir les biens. Dieu n'a pas obligé aussi. C'est ce que l'église fait. Notons, cette troisième conférence missionnaire sera animée sous le thème « La mission, la sainteté de Dieu et la sanctification ».